Si vous croyez que Dieu aime une personne qui n'est pas sauvée et qu'il va lui montrer sa miséricorde, eh bien, c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne une personne qui est née de nouveau. Dieu est encore plus miséricordieux envers vous une fois que vous êtes né de nouveau. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans notre émission La vérité de l'Évangile. Restez donc à l'écoute. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre nouvelle émission de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est notre 12e enseignement sur le sujet de la vraie nature de Dieu. Et je suis en train de parler sur ce qui est vraiment Dieu. Beaucoup de gens sont confus à ce sujet, et c'est pour cela qu'ils blâment Dieu pour les maladies, les ouragans et le jugement. C'est pour cette raison que vous entendez des leaders chrétiens dire que Dieu va juger l'Amérique et que Dieu est prêt à nous détruire. C'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la nature de Dieu et le caractère de Dieu. Et beaucoup de mauvaises informations viennent des Écritures. Et je sais que c'est une déclaration surprenante pour certaines personnes. Elles disent quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Est-ce que vous êtes contre les Écritures? Non, mais il y a des Écritures qui ont été utilisées. Particulièrement, ce que j'ai souligné, c'est que la loi de l'Ancien Testament a été mal interprétée. La plupart des gens ont pensé que Dieu nous avait donné la loi pour nous bénir et nous aider, et pour briser la domination du péché et nous rapprocher de Dieu. Et cependant, j'ai utilisé un tas de versets pour montrer que la loi a été donnée pour donner de la force au péché. 1 Corinthiens 15:56, elle a été donnée pour tuer, elle a été donnée pour condamner, elle a été donnée pour fermer votre bouche, pour vous rendre coupable devant Dieu, pour vous donner une connaissance du péché, pour rendre le péché vivant et provoquer la concupiscence, une convoitise incontrôlée, illimitée dans votre vie. La plupart des gens sont simplement complètement choqués par cela et disent « ce n'est pas possible ». Il y a des versets que j'ai utilisés pour chacune de ces choses. Ils ont tous été pris dans les Écritures. La loi n'est pas mauvaise si vous l'utilisez dans son but originel. Vous savez, il y a un livre qui est sorti, qui a été écrit sur la Constitution des États-Unis, qui parle de son but originel. Et ce qu'il montre, c'est que nos juges activistes aujourd'hui interprètent mal, appliquent mal et passent complètement à côté du but originel de la Constitution des États-Unis. Et donc, ils essayent maintenant de justifier les mariages homosexuels. Ils essayent de justifier toutes sortes de choses impies et immorales qui, je vous le garantis, n'ont jamais été dans l'intention des pères fondateurs des États-Unis. Mais ils interprètent mal et appliquent mal. Et en fait, ils instillent à l'intérieur de beaucoup de gens des attitudes et façons de penser. Et voilà ce qu'est l'Amérique, quand c'est totalement contraire à l'intention originelle de la Constitution. Et donc, le but de ce livre est de revenir en arrière et de montrer quel était le code moral des gens qui ont écrit la Constitution. Ce qu'ils voulaient dire quand ils disaient ceci, ils reprennent des documents originaux et plein d'autres choses comme ça. Eh bien, dans un sens, nous avons besoin de revenir à l'intention première de la loi. Dans quel but la loi a été donnée? Eh bien, c'est toutes ces choses que je viens de mentionner. C'était pour tuer, c'était pour condamner, c'était pour donner vie au péché, c'était pour faire que le péché vous domine, pour faire ressortir la convoitise. Et un des buts principaux de cela était de vous montrer que si vous étiez un propre juste, pensant que Dieu, d'une façon ou d'une autre, allait vous accepter parce que vous pouviez vous justifier par vous-même, c'était pour vous montrer combien le péché était mortel, pour vous faire sentir si condamné, si coupable, que vous perdiez tout espoir de salut par vous-même, et que vous vous tourniez vers la miséricorde de Dieu et disiez à Dieu, « Je ne pourrai jamais me sauver moi-même. Aie pitié de moi. » C'était le but de la loi. Et si vous l'utilisez, la loi, avec cette intention, c'est bien. Mais si vous utilisez la loi en pensant, « Oh, c'est ce que je dois faire pour que Dieu m'accepte », eh bien, vous faites un mauvais usage de la loi. J'ai déjà utilisé ces versets, mais il est dit que tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Et si vous regardez cela dans son contexte, cela parle de la foi mise en contraste avec la loi de l'Ancien Testament qui essaye de gagner la faveur de Dieu. Et donc, en fait, cela dit que si vous utilisez la loi pour essayer de devenir juste ou accepter au travers de vos performances, en pensant que Dieu, je vais faire ça et ça, donc je m'attends à ce que tu répondes à ma prière et fasses cela, eh bien, c'est un péché. C'est une transgression de l'alliance, de la grâce,
sous laquelle nous vivons. Dieu a institué quelque chose. Et j'ai aussi montré beaucoup de versets tirés des Hébreux, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, de Galates, chapitre 3, et d'autres endroits où la loi était seulement temporaire et pas à l'attention du croyant du Nouveau Testament. Et si vous étiez encore en train de gagner la faveur de Dieu par vos performances en faisant toutes ces choses, eh bien c'est précisément la raison pour laquelle vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu. Vous voyez, cela donne une fausse impression de qui était Dieu. Vous avez besoin de reconnaître que la loi de l'Ancien Testament n'a pas été donnée parce que Dieu nous aimait et voulait nous montrer ce que nous avions à faire pour être acceptés par lui, mais que c'est plutôt parce que Dieu nous aimait et qu'il voulait nous montrer que nous avions tout gâché. Vous ne pourriez jamais vous sauver vous-même, et c'était pour vous faire désespérer de cette propre justice et vous faire venir à Dieu. Voilà quelques déclarations radicales. C'est ce dont nous avons déjà parlé. Je vais aller dans Romains chapitre 5 pour vous montrer certaines choses. Le livre entier des Romains traite précisément de ce même sujet. Paul montre que la justification avec Dieu, et le mot justifié juste, ma petite définition laïque, dit que c'est juste comme si je n'avais jamais péché. La façon dont vous devenez juste, comme si vous n'aviez jamais péché, juste comme s'il n'y avait aucun péché, afin que vous puissiez directement marcher dans la présence de Dieu, ce n'est pas au travers de vous essayant de vivre une vie droite pour devenir acceptable aux yeux de Dieu, mais plutôt en vous humiliant simplement pour recevoir la justice et la justification de Dieu, comme un don de la grâce de Dieu. C'est de cela dont parle tout le livre des Romains. Je souhaiterais avoir plus de temps pour parcourir tout cela, mais laissez-moi simplement utiliser quelques versets ici. Dans Romains chapitre 5, verset 1, il est dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous savez, je pourrais enseigner là-dessus pendant un ou deux jours, mais vous n'avez pas la paix dans votre relation avec Dieu si vous pensez que vous devez respecter toutes ces règles et tous ces règlements, mettre un point sur chaque « i », une barre sur chaque « t ». Si vous pensez cela, vous pouvez être motivé pendant un certain temps en pensant « je peux faire ça, je peux étudier la parole une heure par jour, je peux aller à l'église à chaque fois, je peux faire ceci, je peux vivre de façon droite, je crois que je vais faire cela ». Vous pouvez vivre comme cela pendant une courte période, mais je vous garantis que vous ne pouvez pas faire cela de façon prolongée, parce que c'est comme monter sur un tapis de course. Vous pouvez faire cela pendant une courte période, mais finalement, vous allez vous épuiser, et au moment où vous vous arrêterez, le tapis roulant continuera et vous allez lâcher. Vous ne pouvez pas tout simplement pas maintenir ce rythme, et c'est pour cela que beaucoup de gens commencent fort, mais leurs ailes diminuent parce que tout était basé sur eux. Tout était basé sur le fait qu'ils pensaient qu'ils pouvaient gagner la faveur de Dieu. La seule façon pour être en paix avec Dieu, d'avoir une paix durable, où vous êtes à l'aise avec Dieu, où vous n'avez pas peur, vous savez, de tout gâcher. Si vous faites quelque chose de travers, Dieu ne va pas être en colère après vous. La seule façon d'arriver à cela, c'est de comprendre la justification par la foi et non par les œuvres. Vous savez, beaucoup de gens sont venus à moi. Je me rappelle à Segoville, au Texas, un gars qui était, je ne mentionnerai pas ce qu'il était, mais c'était une chose extrême de la Pentecôte, qui croyait que vous deviez être baptisé d'une certaine façon au nom de Jésus, etc., etc. Très basé sur les œuvres. Et ce gars me parlait, et il avait des versets, et j'avais des versets. Nous faisions des allers-retours, et vous savez, cela ne nous menait nulle part. Et finalement, cela s'est résumé à cela. J'ai dit, vous savez, vous avez votre propre doctrine, j'ai la mienne. J'ai dit, avec la mienne, j'ai une parfaite paix. Je sais que Dieu m'aime. Je sais que Dieu est content de moi. Je sais que Dieu a une photo de moi dans son portefeuille. J'ai dit, non, seulement Dieu me tolère, mais il m'aime bien. Et j'ai continué à dire combien j'étais en paix avec Dieu et comment je pouvais en témoigner et comment je parlais à Dieu et que Dieu était mon meilleur ami. Et vous savez, nous avons sans intérêt débattu sur la doctrine. Il revenait à la charge avec un verset, dès que j'utilisais un verset. Mais lorsque j'ai commencé à parler de ma relation personnelle avec Dieu et de la paix que j'avais avec Dieu, la bouche de ce gars tout simplement était fermée. Il a dû se taire. Il ne pouvait rien dire parce qu'il avait une doctrine. Mais vous ne pouvez pas avoir la paix avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une bonne relation avec le Seigneur si vous croyez que c'est un Dieu qui vous demande de faire cela et cela et cela. Vous pouvez essayer pendant tout un temps, mais finalement vous allez échouer et vous vous retrouverez sous votre propre condamnation et vous serez séparé de Dieu et vous ne pouvez pas maintenir avec Dieu une relation basée sur votre bonté. Ça ne marchera tout simplement pas. La vérité est que Dieu vous aime parce qu'il est amour et parce que vous êtes aimable. Et donc si vous n'en êtes pas arrivé à cette révélation,
Vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir concernant votre relation avec Dieu. Au verset 2, il est dit « À qui nous devons avoir d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu ?» La grâce de Dieu signifie ce qu'il fait pour vous indépendamment de vous. Mais la façon dont vous y accédez, c'est par la foi. La foi, c'est ce que vous faites. La grâce, c'est ce que Dieu a fait. Et les seules choses que la foi vous accorde, la foi ne fait pas bouger Dieu. Dieu ne répond pas à votre foi. Si Dieu n'a pas déjà pourvu ces choses par sa grâce, votre foi ne peut pas forcer Dieu à les faire. Dieu n'est pas intimidé, touché, contrôlé, manipulé par votre foi. Tout ce que la foi fait, c'est d'atteindre et de s'approprier ce que Dieu a déjà donné par grâce. Si la grâce ne l'a pas déjà pourvu, votre foi ne peut le faire arriver. Donc ce verset dit que nous avons accès à sa grâce par la foi. Le mot « accès » ici est le même mot dont nous tirons le mot « entrée ». Si vous allez au cinéma, vous devez payer un billet d'entrée. Vous devez donner de l'argent et c'est de cette façon que vous avez accès à ce film. La façon dont vous avez accès à la grâce de Dieu, c'est par la foi. Mais la foi n'est pas quelque chose que vous faites et après Dieu agit. Dieu, par grâce, a déjà tout pourvu. Il a déjà pourvu votre salut, votre guérison, votre délivrance, votre joie, votre paix, tout. Le réveil a déjà été pourvu par la grâce et la foi ne fait pas faire à Dieu quoi que ce soit. La foi donne accès et atteint simplement ce qu'il a déjà pourvu. Ce sont là des immenses concepts. Ces choses que je suis en train de dire, il m'a fallu quelque chose comme 20 années pour en arriver au point, je peux les dire. Donc je parlais des Romains chapitre 5, versets 1 et 2, qui disent que c'est seulement au travers de la justification par la foi que nous pouvons être en paix avec Dieu. Et la façon dont vous obtenez cette paix, c'est juste en mettant votre foi dans ce que Dieu a déjà fait. Et donc, dans les versets suivants de Romains chapitre 5, c'est ce dont il est parlé. Il dit qu'à cause de cela, nous avons une telle confiance que nous nous réjouissons pas seulement quand tout va bien, mais même lorsque les choses vont mal, il peut se réjouir à cause de l'amour inconditionnel de Dieu. Et plus bas, dans Romains chapitre 5, verset 8, je prends ce verset parce que c'est un verset souvent utilisé. Nous sortons ce verset de son contexte pour expliquer un point, et le point qui est fait est vrai, mais c'est encore plus puissant si vous le prenez dans son contexte. Le point qui a été fait au verset 3 dit « Nous nous glorifions même des afflictions ». Et il dit comment Dieu, à cause de son amour inconditionnel, même si vous êtes au beau milieu du stress et des preuves et de toutes ces choses, Dieu nous aime toujours. Et puis au verset 8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous ». Et nous allons sortir ce verset de son contexte et dire que Dieu aime le pécheur, et c'est vrai. Mais Dieu, son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'a pas attendu que nous menions une vie droite pour que nous soyons un peu plus sérieux pour répondre et nous aider pour le reste. Non, alors que nous étions encore en rébellion contre Dieu, il nous a aimés et a prouvé son amour envers nous. Et toutes ces déclarations sont vraies, mais l'accent n'est pas mis sur le verset 8. Laissez-moi relire cela et le mettre dans son contexte. Le verset 8 dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte donc raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. » En fait, il attire notre attention sur le verset 9. Il utilise juste le verset 8 comme tremplin pour aller au point principal. Ce qu'il dit, c'est que si Dieu nous a aimés pendant que nous étions pécheurs, au point de mourir pour nous, il nous aime d'autant plus maintenant que nous sommes nés de nouveau. C'est le point qu'il souligne. Il dit que si vous avez pu accepter que Dieu a prouvé son amour envers nous, et qu'alors que vous étiez encore un pécheur, et il est mort pour vous, d'autant plus maintenant que vous êtes né de nouveau, devriez-vous accepter l'amour de Dieu. Mais saviez-vous que, pratiquement parlant, la plupart des chrétiens croient que c'est beaucoup moins? Vous pouvez vous poser des questions à ce sujet, mais je peux vous garantir que c'est la vérité. J'en ai fait l'expérience dans ma vie personnelle, j'ai parlé des milliers de gens, la plupart des gens pensent que Dieu est miséricordieux,
envers quelqu'un qui est perdu, mais que cette personne naisse de nouveau et Dieu commence à serrer la vis, à augmenter le nombre de règles et à être même plus dur avec les gens qu'avant qu'ils ne soient nés de nouveau. Et pourtant, c'est exactement le contraire de ce que ces versets disent. Regardez une nouvelle fois ceci dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et puis verset 10, il met ces deux pensées dans un seul verset. Il est dit, car lorsque nous étions ennemis, nous étions réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Si vous pouviez comprendre ce qui est dit juste ici, cela changerait complètement votre opinion sur la nature de Dieu. Mais la plupart des gens croient que Dieu est dur. En fait, j'ai entendu prêcher cela. J'ai entendu des sermons qui disaient que Dieu est plus dur avec ses propres enfants qu'avec les enfants de quelqu'un d'autre. Et ils prennent comme exemple que vous disciplinez vos enfants comme jamais vous ne disciplinerez les enfants de votre voisin parce que ce ne sont pas vos enfants. Vous êtes plus strict, plus dur avec vos propres enfants. Et les gens utilisent cela pour dire que Dieu va vous montrer sa grâce quand vous êtes un pécheur, mais qu'à partir du moment où vous êtes né de nouveau, Dieu s'attend à ce que vous agissiez bien et que vous feriez mieux de filer droit. Ces versets disent exactement l'opposé. Et cela dépeint la nature de Dieu d'une façon qui est fausse. Et cela en fait que les chrétiens ne doutent pas de la capacité de Dieu, et ils doutent simplement de la volonté de Dieu à utiliser cette capacité en leur faveur, parce qu'ils savent qu'ils ne le méritent pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui savent que Dieu guérit, mais ils n'ont aucune foi dans le fait que Dieu les guérisse eux, parce qu'ils savent qu'ils ne méritent pas d'être guéris. Eh bien, laissez-moi vous demander cela. Est-ce que vous méritiez d'être sauvés? Eh bien, vous allez dire, oh non, absolument pas. Si vous avez reçu le salut, le plus grand de tous les dons, quand vous ne le méritiez pas, pourquoi alors doutez-vous que Dieu veuille vous guérisse quand vous ne le méritez pas? En cet instant, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déconcertés et vous dites, eh bien, une fois encore, vous allez revenir en arrière et dire, eh bien, c'est différent. Dieu est plus sévère avec vous une fois que vous êtes sauvés. Ces versets disent exactement le contraire. Colossiens chapitre 2, verset 6 dit, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui. » En d'autres mots, la façon dont vous recevez la grâce de Dieu détermine la façon dont vous devez continuer à marcher, c'est-à-dire dans cette grâce. Vous devriez continuer à chanter, tel que je suis, sans rien à moi, à part ton sang versé pour moi. Ô agneau de Dieu, je viens. Cela ne s'applique pas seulement à l'expérience initiale de la nouvelle naissance, mais cela s'applique aussi à la guérison, cela s'applique à la réponse à vos prières, cela s'applique à la guérison de vos relations, cela s'applique à tout. Et cependant, la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont des résultats pires après avoir reçu le salut avant d'être sauvés, la première fois quand ils sont venus au Seigneur, c'est parce qu'ils ne croient pas que la grâce de Dieu se manifeste de la même façon au-delà du salut. Il voit le salut comme étant complètement l'œuvre de la grâce. Mais si cette prière est exaucée, je vais devoir commencer à aller à l'église. Je vais devoir prier tant d'heures par jour. Je dois faire ça et ça et ça. Si vous aviez eu cette attitude avant d'être sauvé, vous n'auriez jamais été sauvé. Si quelqu'un vous avait prêché que vous savez, à moins que vous n'arrêtiez de boire, à moins que vous n'arrêtiez de jurer, à moins que vous n'arrêtiez d'aller dans ces nightclubs, à moins que vous fassiez ceci, à moins que vous fassiez cela, vous ne pouvez pas être sauvé. Je vous garantis que le nombre de, entre parenthèses, chrétiens se réduirait dramatiquement au petit pourcentage de ceux qui n'auraient jamais essayé de faire toutes ces choses. Mais non, la raison pour laquelle vous êtes né de nouveau, c'est que quelqu'un vous a dit que Dieu vous aimait juste comme vous étiez. Vous auriez pu commettre l'adultère le jour d'avant et être né de nouveau avec un acte tout récent d'adultère dans votre vie, parce que c'était la grâce de Dieu et non pas vos actes. Mais laissez une personne essayer d'être guérie du cancer alors qu'elle a commis l'adultère, et je vous garantis que la plupart des chrétiens présents diraient « ce n'est pas possible ». Dieu ne vous guérira jamais. Ça ne fonctionne pas selon les mêmes règles, c'est inconsistant, c'est contre ce que la Bible enseigne, c'est vraiment une déclaration très forte. Laissez-moi vous demander ceci. Si vous étiez à l'église en ce moment et que quelqu'un d'ivre rentrait pendant le service, la plupart d'entre vous iriez prêcher à cet ivrogne et lui diriez que Dieu t'aime, que Dieu a un meilleur plan dans ta vie, Dieu peut changer ta vie, tu pourrais être une créature toute nouvelle, et vous prêcheriez la miséricorde et la grâce à quelqu'un qui est ivre.
mais qu'il revienne le soir suivant après qu'il se soit avancé et qu'il ait fait une confession publique de sa foi, qu'il revienne ivre le soir suivant. Eh bien, vous savez-vous que beaucoup de gens qui lui auraient prêché la miséricorde et la grâce, s'il était perdu, retourneraient vers lui et diraient « Hey, tu es chrétien maintenant, et maintenant tu es censé vivre à un autre niveau. Et si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, si jamais tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que tes prières soient exaucées, si tu veux de la joie dans ta vie, tu dois arrêter ceci et les gens le condamneraient, le sépareraient de Dieu et lui parleraient du rejet de Dieu plutôt que de son acceptation s'il était chrétien. » C'est inconsistant. Et pourtant, cela se passe jour après jour dans les églises aujourd'hui. Parce que les gens essayent de mélanger cette loi de l'Ancien Testament et la grâce. Ils comprennent que nous pouvons naître de nouveau seulement par la grâce de Dieu. Mais ils pensent que vous devez mener une vie droite si vous voulez que Dieu vous utilise. Vous savez, j'ai déjà dit certaines de ces choses. J'expliquerai cela davantage à la fin de cette série, mais la sainteté est toujours importante. Pas parce qu'elle change le cœur de Dieu envers vous, mais parce qu'elle va changer votre cœur envers Dieu. Je ne vous dis pas de vivre dans le péché. Je ne vous dis pas de ne pas aller à l'église. Je ne vous dis pas de ne pas lire votre Bible. Je ne vous dis pas de ne pas vivre une vie selon Dieu. Mais je vous dis que Dieu ne vous aime pas ou n'agit pas dans votre vie proportionnellement à vos performances. Vos performances changent votre cœur envers Dieu, mais pas le cœur de Dieu envers vous. Dieu a mis toutes ces choses à votre disposition par la grâce. Ce n'est pas basé sur votre bonté, mais vous devez, vous, agir correctement, ou les gens vont vous haïr si vous les volez et mentez, et même des choses comme ça, il y aura des conséquences. Satan va venir, et selon Romains chapitre 6, verset 16, si vous cédez au diable, il viendra et profitera de vous. Vous deviendrez l'esclave de celui à qui vous cédez. Donc si vous donnez à Satan un accès à votre vie, il mangera votre repas et fera éclater le sac. Vous ne voulez pas laisser Satan d'accès à votre vie. Donc, autant que vous le pouvez, vivez saintement. Mais si vous pensez que votre sainteté va vous donner accès auprès de Dieu, vous êtes à côté de la plaque. La foi est la seule chose qui peut donner accès à la grâce de Dieu. De la même façon que vous êtes venu au Seigneur et êtes né de nouveau, sans aucune bonté à votre crédit, vous n'aviez pas jeûné, ni prié, ni étudié la parole, ni étiez allé à l'église, ni n'aviez donné vos dîmes, et vous ne viviez pas selon Dieu, vous viviez dans le péché, étiez en rébellion contre Dieu, et cependant vous avez reçu le plus grand miracle qui puisse exister, parce que vous avez mis votre foi en un sauveur. C'est de la même façon que vous êtes supposé recevoir votre guérison, votre délivrance, votre joie, votre paix. Toutes les autres choses viennent exactement de la même façon, en mettant la foi dans un sauveur et non la foi en vous-même. La loi attire votre attention sur vos actions. La grâce attire votre attention sur ce que Jésus a fait pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui dit que vous savez que Dieu peut tout faire, mais que vous doutiez qu'il le fera pour vous, vous êtes quelqu'un qui vivait sous la loi. Vous êtes encore en train de traiter avec Dieu et croyez que Dieu traite avec vous sur la base de vos performances et vous devez changer cela. Vous avez mal compris certaines choses et certainement qu'il y a des choses dans la Bible qui vous disent que Dieu va vous donner exactement ce que vous méritez, mais cela fait partie de la loi de l'Ancienne Alliance. La grâce de la Nouvelle Alliance dit que si vous avez pu accepter que Dieu vous aimait alors que vous étiez pécheur, d'autant plus maintenant que vous êtes saint, l'amour et la grâce de Dieu abonderont vers vous. Vous ne recevez pas ce que vous méritez, pas de la part de Dieu. Vous le recevez de la part des gens. Le diable vous donnera ce que vous méritez, mais Dieu traite avec vous sur la base de la grâce. Et je vous dis que vous devez comprendre cela pour vraiment comprendre en quoi consiste la vraie nature de Dieu. J'ai encore beaucoup plus à partager. Je continuerai donc dans notre prochaine émission.